Le rêve est inhérent à la vie. C'est une sorte de source dans laquelle nous nous plongeons chaque nuit pour nous connecter avec nous-mêmes. Ça veut dire que ce chemin, et vous l'avez vécu, hein, c'est éternel moment présent. C'est ça le bonheur. D'ailleurs, quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est toujours un présent. Jamais un passé, ni un futur. Et il est temps qu'on parle de tout ça, je me répète, mais on ne sait rien. Alors, est-ce que je suis capable de vivre le mystère ? Que nous sommes un esprit incarné. Et que cet esprit quitte le corps au moment de la mort. Et que c'est quelque chose qui est à la fois vivant et joyeux. Est-ce que je suis capable d'entrer dans ce qui fait très peur, autant aux hommes qu'aux femmes ? La fusion. C'est-à-dire qu'offrir quelque chose à quelqu'un, c'est cette qualité de pouvoir être dans chaque chose et que chaque chose soit en lui. Et moi, ça m'a convaincu qu'en tant qu'homme, j'avais vraiment à apprendre à aimer, au fond. Mais la seule manière de transmettre, c'est de ne pas imposer un chemin de transmission, c'est de permettre à chacun de trouver le sien.